Bon, ben, bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour entendre parler de Boiron et d'Azur, les deux, puis aussi un peu de la contribution d'Ypon à ce travail qu'on a la joie de vous présenter ce soir. Alors, on a intitulé notre présentation un peu d'Azur dans l'Homéo. Donc on va attaquer assez vite. Alors, le contexte. Ouais, ça marche, super. Donc le contexte, c'est qu'on a démarré une aventure digitale il y a 2 ans, 2 ans et demi à peu près. On voulait reprendre la main sur des sites qui étaient réalisés par des directions métiers, de manière, parfois un peu fantasque, et on a voulu y mettre un peu de process là-dessus. Et donc ça s'est traduit par la réécriture de 4 familles de sites qui ont des déploiements en France et en filiale, pour un total de 40 applications en tout. Et on a choisi de le faire, vous allez le voir, dans Azure. On va essayer d'aller vite sur cette partie-là, parce que ce n'est peut-être pas celle qui va vous passionner le plus, mais c'est l'architecture générale des produits pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on a cherché à déployer dans Azure. Et comment? Alors ça, c'est le schéma type de l'application tel qu'on l'envisageait au démarrage de cette aventure-là. Chaque produit, on l'envisageait comme un front-end, un back-end, ici on l'a appelé API. On imaginait qu'on allait avoir du contenu statique pour la plupart des produits, donc on voulait mettre un CMS en place. On l'imaginait colocalisé avec le reste des éléments. On imaginait aussi qu'on aurait une gestion d'utilisateur, et puis qu'il faudrait communiquer avec le reste du SI, avec un mécanisme que je vais vous détailler un petit peu plus loin, et puis qu'il faudrait stocker aussi les données dans des bases de données. Donc ça vous donne des composants stateless, des composants de messagerie et des composants stateful de base de données. Dans le détail, donc le front-end, classiquement, hein, c'est ce qui va agréger la donnée qui provient de différents back-ends, que ce soit des CMS pour du contenu statique ou une API dans laquelle on va mettre des règles de gestion, hein, du métier. Très tôt, notre choix s'était porté sur Keycloak pour la gestion des utilisateurs. C'est un choix que vous verrez, on ne rediscutera pas dans la présentation, donc c'est l'occasion de dire tout le bien que je pense de ce produit maintenant. Et pour la communication, en fait, on voulait absolument avoir un découplage entre le SI de Boiron, qui est un SI historique, infogéré, puis migré chez un. Enfin, d'abord géré par nous, puis migré chez un infogéreur. Et on voulait par contre pouvoir recevoir des informations provenant du SI, parce que des sites dans Azure qui n'ont pas de données provenant de l'entreprise, ça peut manquer un peu de sens. Et donc on avait choisi un broker de messagerie qui est Azure Event Hub, parce que vous allez le voir, donc on était dans Azure. Et ça fonctionne à peu près comme un Kafka, pour ceux qui voient ce qu'est Kafka. Voilà. Et donc on consomme avec ce produit-là les messages du SI Boiron. Le choix des technologies rapidement. Alors en termes de front-end, on a regardé la course en tête. Il y avait React, il y avait Angular, il y avait Vue. Et il a fallu faire un choix. C'est mon avis. Google étant coutumier d'abandonner le support de ses produits, Angular a été écarté. Donc voilà, RIP AngularJS, RIP Polymer, RIP plein d'autres. Et Vue.js, il y avait des cas à la marge que j'avais trouvé un petit peu limite, donc j'ai préféré pas aller dedans, même si j'aime beaucoup Vue. Pour ceux que ça amuse, il y a l'excellent killedbygoogle.com qui vous présente la liste des 280 technologies que Google a abandonnées. Voilà, vous y trouverez peut-être des chers. Et il en manque. Et il en manque? Et il en Non, manque. RenderTron n'est pas dedans. RenderTron n'est pas dedans, oui. Voilà. Vous y trouverez peut-être de chers amis à vous. Voilà. Et effectivement, RenderTron, c'était une technologie aussi qu'on a utilisée dans la partie front pour faire du server-side rendering, parce que dans notre contexte, ça s'y prêtait bien. Et RenderTron, voilà, c'est sous l'ombrelle Google Chrome. Ça fait partie des produits qui ont été abandonnés, mais qui ne sont pas encore dans la liste de Killed by Google. Pour autant, la capture date de hier, et vous voyez que le produit a été archivé par son propriétaire en novembre 2022. Après 2 ans de non-maintenance, ben voilà, malheureusement, on l'a utilisé. Mais heureusement, il n'y a plus qu'un seul déploiement de RenderTron aujourd'hui en production. Donc, on n'est pas trop malheureux dans le choix de cette technologie. Comme notre écosystème, finalement, n'étant ni Angular ni Vue, s'est porté sur React, on a misé toute notre stratégie de server-side rendering sur des technologies proches de React. Et c'est tout naturellement qu'on a utilisé le framework Next.js.
qui est un peu le bandwagon du moment. Hein, voilà, beaucoup de gens qui font du développement avec, beaucoup de stars dans GitHub, et ça fait du server-side rendering directement dans le produit. Donc voilà, l'essentiel de cette problématique-là, côté front, est traité avec React et avec Next.js. Côté back-end aussi, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. On pouvait aller regarder, là je vous ai mis une capture du Snyk.io JVM écosystème qui permet de classifier par rapport à des sondages l'utilisation des frameworks Java actuellement. Bon, Spring Boot 58%. Et il se trouve que Spring Boot et Maven sont des technologies que Boiron maîtrisait déjà bien. Donc on est allé sur ce qu'on savait déjà faire. Et jusqu'à présent, on n'est pas malheureux. Un petit détail d'implémentation, mais qui peut être intéressant. Quand on commence à toucher aux composants d'infrastructure d'Azure, ça peut être difficile sur le poste de développeur de les simuler. Et c'est le cas, évidemment, de notre bus de messagerie, puisque c'est un composant d'infrastructure Azure. Le mettre sur la machine, ce n'était pas possible. Comme c'est un bus qui est compatible Kafka, c'est ce qu'on fait en local. On a une instance conteneurisée de Kafka qui permet de simuler la partie messaging en local sur le poste. Donc, c'est pas un mauvais choix, quoi. Alors par contre, pour démarrer nos projets, on avait, sur la partie back notamment, on avait utilisé JHipster. Alors on est chez Hippon, c'est un bastion JHipster bien connu. Hein. Merci pour cette technologie. Mais non merci, on l'a prise, mais on vous la rend. En tout cas, on la rend à la communauté. Très bien comme accélérateur, très intéressant pour démarrer, parce qu'effectivement, ça permet de générer toute une glu qui parfois n'est pas forcément facile à écrire. En revanche, le problème de toute glue, c'est que quand elle est générée, on en devient propriétaire, et le moment où on s'en rend compte, c'est au moment où on doit faire les migrations. Et les migrations de données JHipster 6 vers 7, on en a fait une, on n'en a pas fait deux. Donc le choix a été de dégager JHipster après avoir fait la première montée de version, et incidemment, ça s'est fait au moment du log4shell, au moment où il fallait aller très très vite, pour supprimer les adhérences qu'on pouvait avoir à Log4j dans des versions qui étaient susceptibles d'avoir le problème. On ne l'avait pas, mais on a préféré liquider toute dépendance pour être sûr. Donc voilà. Donc JHipster, c'est très intéressant, mais ça ne s'adapte pas bien à notre contexte. Il nous fallait un CMS. On est parti sur une déclinaison headless de Drupal, Contenta. Voilà, ce n'est pas notre meilleur choix, ça. On a fait des erreurs. On va vous en parler. Le but de ce retour d'expérience, c'est de vous parler de tout ce qu'on a bien fait et de tout ce qu'on n'a pas bien fait. Donc, ce Contenta, on s'est rendu compte que son hébergement sur Azure, il était vraiment, vraiment pas facile. Ça consomme énormément de perf. C'est pas hyper stable. Et pour autant, il y a plein de gens brillants qui se sont cassés les dents. Je regarde Pierrick, mais c'est pas le seul. Il y a eu plein de personnes. Vous verrez dans les remerciements que c'est une infrastructure qui a consommé beaucoup de jours hommes et beaucoup de personnes brillantes. Et voilà, on n'a jamais réussi à avoir de bonnes performances. Donc, notre choix, tout naturellement, a été d'aller voir ailleurs, dans la mesure où on le pouvait. On l'a remplacé par un autre CMS, Prismic, qui lui est en SaaS. Et donc, l'avantage aussi, c'est que d'un point de vue infrastructure, il ne compte plus dans l'équation. Donc, si vous avez encore l'image de départ, ben, le CMS, maintenant, n'est plus dans l'infrastructure colocalisée avec le reste des composants. Il est à l'extérieur. Mais ce n'est pas grave et ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que c'est plus simple. Voilà, il nous reste encore 7 déploiements de Drupal en production, mais normalement, on va bien les réduire cette année. On doit en avoir 3 qui doivent disparaître tout bientôt. Oui. Et le quatrième, peut-être en milieu d'année, quelque chose comme ça. Et après, ben, on a une roadmap. En termes de cloud provider, Boiron était très... habitué à travailler avec Microsoft. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologies Microsoft. J'ai commencé ma vie de développeur chez Boiron en développant sur des machines Windows. Si. Mais je suis sur Linux. Et donc, effectivement, pour toute l'infrastructure, toute la cohérence avec l'infrastructure, avec le fait qu'on a un Azure AD, qu'on a un Active Directory, qu'on a des contrôleurs de domaine Microsoft et tout, c'était beaucoup plus simple de continuer à travailler avec Microsoft. Et comme le but était de faire une expérimentation dans le cloud, en soi, autant prendre un cloud provider avec lequel on est habitué à travailler. Pour autant, on ne voulait pas se retrouver dans du vendeur lock-in et on avait entendu parler de Kubernetes. Alors, on s'est dit, ben voilà, Kubernetes, c'est un bon moyen de mitiger. On va être chez Azure, mais on va être chez nous, dans Azure.
pour ceux que ça par... à qui ça parle. On a fait un choix de services managés qui sont les principaux pour constituer notre infrastructure. J'en ai déjà un peu parlé. Donc il y a le AKS, Azure Kubernetes Service, qui va nous servir à gérer l'infrastructure de nos workloads, donc c'est notre cluster dans lequel on va déployer nos applications. On a préféré directement partir sur un service managé base de données Azure Database for MariaDB pour pas s'embêter à construire nous-mêmes notre propre MariaDB dans AKS. Il paraît que c'est super compliqué, qu'il faut pas le faire. On a suivi les bonnes pratiques. L'Event Hub, je vous en ai déjà parlé pour la réception des messages du SI. Et la gestion des images Docker de nos produits se fait dans le composant IDOANE, Azure Container Registry, qui contient toutes les versions de nos produits. On les purge de temps en temps quand même, oui, parce que sinon c'est trop gros. Voilà, et au besoin, en fonction des situations, pour tel produit ou tel autre, et bien là on va aller chercher des besoins spécifiques dans différents SaaS. Donc, quand on a du paiement, quand on a du e-commerce, on va aller prendre Stripe ou Shopify. Quand on a du e-learning, on est allé chercher RiseUp. Et puis, le CMS, je vous en avais parlé. Donc, voilà, c'est un petit peu l'ossature type de nos produits, voilà, dans son contexte. Et je te passe la main. Hop. Donc, du coup, maintenant, moi, je vais vous parler de comment est-ce qu'on gère nos environnements donc, dans Azure. Donc déjà, premièrement, on a dans Azure ce qu'on appelle trois souscriptions. Donc si pour faire le parallèle avec AWS, puisque je sais qu'il y a quand même une majorité de personnes qui font du AWS, c'est ce qu'on va pouvoir appeler des comptes dans AWS. Une souscription dans Azure, ça va être ni plus ni moins qu'un compte avec une carte bleue derrière, qui peut être différente donc, entre les différentes souscriptions. Et donc nous en avons trois. On a celle de production, celle de hors-production, donc qui va avoir nos environnements de recettes, de pré-production s'il y en a, parce que tous les produits n'ont pas de pré-production, et ce qu'on appelle les environnements de prévisualisation, dont on reparlera juste après. Et on a une troisième souscription qu'on dit de builder, qui nous permet de faire un peu des tests et d'héberger nos outils internes, dont on parlera également après. Hop. Justement, les environnements de prévisualisation, comment ça marche dans la pratique? En fait, donc on ne l'a pas dit, mais toute la gestion de notre code, on est sur GitLab SaaS. On reviendra dessus après. Et donc, comment ça se passe quand un dev il fait une merge request? Et bah, ça lui crée dans le cluster Kubernetes de son projet en recette un environnement de prévisualisation qui aura une durée de vie de 2 heures, où il va pouvoir avoir le code qu'il a développé dans sa MR et de pouvoir le tester dans un environnement quasi de production, en tout cas dans un environnement qui est dans le cloud et pas uniquement sur sa machine en local. Cet environnement, il a une durée de vie de 2 heures. Au bout de 2 heures, il est détruit. Mais si le dev en a besoin, il peut le régénérer d'un simple clic dans GitLab. Autre moyen, les autres cas où cet environnement il est détruit, c'est tous les soirs à 9h, tous les environnements sont détruits. Et si lors du déploiement, le déploiement échoue, alors on détruit tout ce qui a été commencé à être déployé et qui n'a pas marché. Autre point important, c'est le contrôle d'accès aux environnements et notamment aux environnements de non-production. On avait une problématique, c'est qu'on ne voulait pas, notamment les environnements de recettes et certains back-ends de production, on ne voulait pas les exposer publiquement. Et pour ça, il fallait qu'on trouve une solution. Et on avait d'autres contraintes, c'est qu'on ne pouvait pas modifier le code source des applications pour que chaque application aille développer un petit module qui sera activé uniquement dans certains cas pour que l'utilisateur qui arrive sur l'application s'authentifie. Donc on voulait surtout pas ça et on voulait que ce soit une gestion simple et standardisée entre les projets. Si on regarde ce qui était historiquement présent chez Boiron, il y avait deux choses. Il y avait un filtrage IP. Alors ça fonctionne, mais c'est très difficilement maintenable parce que forcément on a une liste d'IP qui est quelque part et puis quand les gens s'en vont, on ne supprime pas les IP. Les IP, elles peuvent changer. Donc c'est difficilement maintenable. Et sinon, il y avait des contrôles d'accès par basic auth. Vous savez, quand vous allez sur un site internet, parfois, vous avez un petit encart où on vous demande un user, un mot de passe. Mais ça, en fait, il faut savoir que le user et le mot de passe,
il passe en clair sur le réseau, donc ce n'est pas très sécurisé. Donc ça ne nous convenait pas. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé un composant qui s'appelle un hot proxy, en fait, qui est déployé donc en sidecar donc dans notre sur nos pods dans nos clusters Kubernetes. Et en fait, quand on active cette fonctionnalité, donc ce n'est pas le cas sur tous les pods, on arrive sur l'ingress en entrée et il détecte qu'il faut une authentification. Donc en fait, il nous fait une redirection. Plutôt que d'aller directement sur l'app, il nous redirige vers le hot proxy qui, après, le hot proxy, via de la configuration, s'interface avec l'Azure AD, donc l'Active Directory de Boiron. Et dans cette Active Directory, on a donc une configuration qu'on appelle une App Registration qui va dire telle personne a le droit de s'authentifier et a le droit d'accéder à cette application. Et donc, en fait, c'est avec le compte @boiron.fr. Quand on arrive ici, on va sur l'app et en fait, ça nous redirige automatiquement sur le proxy. Ça nous affiche une page brandée Microsoft en disant merci de vous authentifier. On rentre son login mot de passe de l'entreprise qui est classique. Et si on a été autorisé au préalable dans la config de l'Active Directory à accéder à cette application, ça nous connecte et on est redirigé automatiquement au niveau dans l'app. Et il y a au niveau des cookies un petit token qui est généré et c'est comme ça que on peut naviguer dans l'application librement et de façon transparente. L'avantage de cette solution, c'est que du coup, l'application en elle-même, elle n'a pas été modifiée. C'est uniquement de la config infrastructure. Concrètement, pour ceux qui font un peu de Kubernetes, comment ça se matérialise? Donc, comme je l'ai dit, on a soit un pod, soit un deuxième conteneur au pod de l'application qui va être en sidecar, qui est créé. Il a donc ce sidecar, il a son propre ingress qui va être sur le même host mais en slash /O2. Et sur l'ingress que l'on veut protéger, donc le slash, du coup, on va mettre deux annotations qui sont ces deux annotations avec des valeurs particulières et qui disent de rediriger vers le pod qui est en sidecar pour faire l'authentification. Côté Active Directory, on a besoin de renseigner les URL de callback pour dire que en fait, l'application qui essaie de s'authentifier, enfin qui utilise ce moyen d'authentification, elle est bien autorisée à utiliser ce moyen d'authentification qui est propre à l'entreprise pour éviter que quelqu'un de l'extérieur puisse utiliser le même principe d'authentification, enfin le même outil d'authentification qui est propre à Boiron. Ça permet de mettre une sécurité dans les deux sens. Et donc voilà, donc ça c'est la configuration dans Azure. On voit qu'en fait on a donc tous les URL de callback qui sont renseignés donc pour tous nos produits. Voilà. Maintenant qu'on a parlé d'un petit peu d'Azure, on va parler de toute la partie DevOps et surtout automatisation qui a été mise en place chez Boiron. Premièrement, on a essayé d'utiliser au maximum Terraform pour tout ce qui est déploiement de nos applications. Et aujourd'hui, tout le code des applications et toute notre infrastructure, elle est déployée via Terraform. À l'exception, on parlait tout à l'heure de l'Azure AD pour une raison simple, c'est que ce n'est pas nous qui gérons l'Azure AD, c'est l'équipe historique du SI Boiron qui gère ce composant-là. Donc du coup, c'est eux qui le gèrent et on n'a pas la main dessus, donc c'est dans Azure, c'est le seul composant qui n'est pas terraformé. Donc comme je l'ai dit, on a tout qui est déployé via Terraform. Donc pour cela, on utilise un certain nombre de providers. Donc forcément, le provider qui est Azure, mais on utilise aussi le provider Kubernetes qui en fait nous permet de, via Terraform, déployer tout ce qui va être pod, déploiement, service, ingress. Tout le monde ne fait pas comme ça. On aurait pu, avant, quand je suis arrivé, il y avait du Ansible pour faire ça, mais on a préféré migrer sur Terraform cette partie-là pour en fait avoir un seul outil qui fait tout, parce qu'on n'a pas des besoins non plus très spécifiques. On utilise aussi le provider Acme. Pour générer des certificats Let's Encrypt pour nos environnements de recettes. On reparlera plus tard des certificats.
le provider Helm pour déployer certains Helm charts. Et enfin, le provider Datadog, puisqu'on en parlera aussi après. On utilise la solution Datadog pour faire toute la partie monitoring. Point qui peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Azure, le back-end, le state Terraform, il est stocké donc dans Azure, dans l'équivalent d'un bucket S3 de AWS, sauf que la principale différence, c'est que dans Azure, on a le locking qui est directement pris en charge. Il n'y a pas besoin de mettre ça s'appelle une base DynamoDB, voilà, dans AWS. Ils savent. Voilà, ils savent tous. Voilà. Oui. Oui, alors on aurait pu, c'est juste que je crois que quand on a commencé, il n'existait pas encore, et du coup on est resté sur le même principe sur tous nos projets, même si astuce. C'est vrai qu'aujourd'hui ça existe. Oui, note. Et du coup, comme on utilise aussi les workspace Terraform, puisque comme on vous l'a dit, on a plein de filiales. Et donc, du coup, en fait, chaque filiale a son propre workspace. Et du coup, ça se matérialise comme ça, en fait, dans Azure. C'est qu'ils rajoutent à la fin du nom du state un env de points et le nom du workspace. On a aussi, puisque nos produits sont assez similaires on a des produits assez similaires, on a décidé de mutualiser le code Terraform. Et pour ça, on a fait quelques modules. Typiquement, actuellement, on en a quatre. Un pour déployer des clusters Kubernetes, puisqu'en fait, on a un cluster Kubernetes par produit, par environnement. Oui, puisque la différence aussi avec AWS, c'est qu'on ne paye pas les master nodes. Voilà. Donc c'est en termes de coûts, c'est pas déconnant comparé à AWS. On va essayer de mettre le maximum sur un. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que moi je suis arrivé, c'était déjà comme ça. Il y a eu des réflexions sur de la mutualisation des clusters, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Pareil, la génération de certificats Let's Encrypt et la manière dont ils sont stockés, c'est générique pour toutes les recettes. Donc du coup, on a fait un module. Pareil, le déploiement d'une MariaDB. C'est la même chose. Et les Azure Functions, alors c'est un module qu'on n'utilise plus mais qu'on a gardé parce qu'il est bien pratique. En fait, c'est les Azure Functions, c'est l'équivalent des lambda dans AWS. Et le provider Terraform, le provider Azure a un bug qui est connu pour le moment. Et donc, du coup, c'est tout un mécanisme très compliqué pour déployer une Azure Function Python. Et donc, du coup, on en a fait un module, on l'a gardé, même si pour l'instant, on ne l'utilise pas. Mais il va resservir. Peut-être qu'il resservira prochainement. Côté découpage du code, en fait, puisqu'on est en monorepo sur GitLab, donc du coup, on a chaque produit, on a plusieurs dossiers qui vont contenir du Terraform dans nos projets. On a un premier dossier qui va s'appeler base, qui va contenir en fait tous les composants Azure. Les ressources Azure. On va avoir un deuxième dossier qui s'appelle K8S qui va contenir toute l'infrastructure, toutes les ressources Kubernetes, mais communes à toutes les filiales. Donc on va avoir, si l'API elle est commune à toutes les filiales, on va l'avoir. On va avoir le keycloak, puisque quand il y a besoin d'un keycloak, il est le même pour toutes les filiales. Tout ce qui est management du cluster, donc Velero pour les sauvegardes. L'agent Datadog, l'Ingress Controller ou encore Falco dont on parlera tout à l'heure. Et enfin, un troisième dossier qui contient en fait les déploiements qui sont déployés pour chaque filiale, donc de manière en plusieurs fois. Donc, typiquement, souvent le front, parfois l'API. Voilà. Mais on a, donc là je vous ai parlé de l'infrastructure des projets, mais on a aussi des briques communes qui sont déployées via Terraform. On en a principalement trois. La première, ça va être l'application gateway. Donc l'application gateway, en fait, c'est un gros load balancer qui est devant toutes nos applications. Mais on en a un seul qui est devant chacun. Et derrière, il y a tous nos cluster cubes et il va faire toutes les règles de routage en fonction de nos projets. Avec aussi un WAF qui est activé depuis peu de temps parce qu'on l'a activé il y a peu de temps. Toute la partie réseau, donc les virtual networks,
Et enfin, un Key Vault qui va contenir les certificats SSL de production. Puisque je vous ai parlé de Let's Encrypt pour la recette, mais par contre, les certificats de production, ce sont des certificats qui sont achetés par Boiron auprès d'une autorité de certification tierce. Petit point intéressant, c'est l'application Gateway. Elle a été terraformée, mais ça a été assez compliqué parce qu'en fait, la ressource dans le provider Azure, elle contient un grand nombre de blocs, puisque comme je vous l'ai dit, on a une application gateway pour toutes nos applications, donc on va déclarer tous nos listeners, toutes nos routes, tous nos certificats, tous nos back-ends, voilà. Et en fait, on aurait pu penser qu'on déclare une application gateway et qu'après on déclare d'autres ressources pour venir greffer par-dessus des routes, voilà. Mais non, c'est pas le cas, en tout cas à l'heure actuelle. Et donc du coup, on se retrouvait, si on voulait terraformer ça en production avec une application gateway dont la configuration Terraform, enfin le bloc ressources, faisait 4000 lignes, ce qui est un peu immaintenable, illisible. Donc comment est-ce qu'on a fait pour que ce soit plus lisible? En fait, on a découpé par projet et on a un fichier JSON qui va contenir toute la configuration juste du projet, donc les routes pour le projet, le certificat, où est-ce qu'il est, les listeners, donc c'est-à-dire les hostnames et tout ça. Et après, on va lire ces fichiers via Terraform avec des for each qui nous permettent en fait d'itérer sur tous ces fichiers. Et donc du coup, on couple ça avec des dynamic blocks. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus condensé et de beaucoup plus lisible. Voilà. Et du coup, si on veut rajouter de la configuration, on ne va pas dans Terraform, on va dans le JSON et c'est beaucoup plus lisible. Ça nous a pris un peu de temps à mettre en place parce qu'au début, en fait, la configuration de l'application Gateway n'était pas terraformée. On faisait tout dans Azure, voilà, mais on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'une fausse manip et on perd tout. Donc, c'est pour ça qu'on a cherché une solution. Hop, ça, c'est ce que j'ai expliqué, donc les for each et les blocs dynamiques. Maintenant, les certificats, comme je vous l'ai dit, il y a une différence entre production et hors production. En production, c'est des certificats achetés. Hors production, c'est des certificats Let's Encrypt. Oh, je sais plus quoi. T'es parti là. Ouais, je suis parti. Voilà. Du coup, comment ça se passe concrètement? En production, en fait, on a un projet sur GitLab dans lequel on va push nos certificats qui sont chiffrés. Et après, on a une pipeline avec du Terraform qui va aller uploader ces certificats dans un vault. Et tous les jours, il y a une GitLab schedule, donc qui est une tâche planifiée, qui va aller lire l'application Gateway, lister tous les certificats qu'elle utilise et vérifier que c'est bien la dernière version qui est dans le vault. Si ce n'est pas le cas, il fait le build. Hors production, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'en fait, tout n'est pas stocké dans un même Key Vault, puisque c'est chaque projet qui va être responsable de son certificat Let's Encrypt, et donc du coup, il le push dans son Key Vault à lui. Voilà, et donc du coup, même chose, il y a une tâche planifiée tous les jours qui va aller checker dans l'application Gateway, voir s'il y a eu des modifications. Maintenant, comme je vous ai dit, on est parti sur du GitLab et donc tout logiquement, pour l'automatisation des déploiements, on fait du GitLab CI. Donc aujourd'hui, tous nos déploiements ils sont faits via GitLab CI et les runners, en fait, ils sont hébergés dans Azure, dans un cluster Kubernetes à part qui est dans la souscription dont on parlait sur le côté, qui contient tous nos outils. On reviendra un petit peu plus tard sur les runners. Pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos projets sont assez semblables, en tout cas sur leur infrastructure. Donc, on est parti sur un template de pipeline. Dans le cluster AKS de CI/CD, où il y a nos runners, et le process va forcément tirer des dépendances provenant de différentes sources. Ces dépendances peuvent être soit des librairies privées, des librairies JavaScript ou des librairies Java qu'on aura écrites et qu'on aura stockées dans GitLab. Sous forme réguisée, ou alors des librairies publiques qu'on va étirer soit dans NPM, soit dans Maven. Donc naturellement, il faut que ces services-là puissent fonctionner. Alors, on a vu aussi qu'on avait une adhérence sur Datadog,
qui fait que, pareil, si le provider, enfin, si Datadog n'est pas disponible au moment où on lance un build, on peut avoir des petits soucis. Et bref, quand ce cluster AKS exécute la pipeline, ensuite, dans la partie CI, il va produire une image Docker et il va la stocker dans l'Azure Container Registry. Et c'est cette même image dans le process de CD qui va être tirée par le cluster applicatif cette fois-ci. Et donc le déploiement va demander finalement que l'image soit téléchargée et déployée au cluster Kubernetes. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on est en monorepo. Et donc du coup, quand on regarde nos pipelines, on se rend compte qu'en fait on a beaucoup d'étapes parce que il faut tout gérer à la fois le build de Java, le build de JS, le Terraform, le lintage, le déployer Datadog. Voilà. Donc du coup, ça fait beaucoup d'étapes. Comment est-ce qu'on a fait pour optimiser le temps des pipelines et éviter d'avoir des pipelines qui vont durer des heures? On utilise deux mécanismes qui sont proposés par GitLab, c'est les needs et les changes. Les changes, ça permet d'exécuter certains jobs uniquement quand il y a des modifications sur des fichiers. Typiquement, on ne va pas s'amuser à rebuilder l'API si le code Java n'a pas été modifié. On tirera obligatoirement la dernière version, qui est le latest. Voilà. Les changes ne sont pas utilisés en production. En production, quand on fait une MEP, on déploie tout, on exécute toute la chaîne, même s'il n'y a pas eu de changement, pour éviter d'avoir des problèmes qui pourraient survenir. On préfère s'assurer ça et avoir des déploiements un petit peu plus longs. Les needs, ça permet en fait de s'affranchir dans GitLab du fait que tous les jobs d'un même stage doivent s'exécuter pour passer au stage suivant. Ce qui permet, c'est un schéma simplifié, mais le build du front, il n'en a rien à faire, par exemple, que le lintage et le test et la qualité du bac, elle s'exécute. Enfin, qu'elle ait réussi ou non et qu'elle soit finie. Lui, ce qu'il lui faut, c'est juste la qualité front. Donc, avec tout ce mécanisme, tous ces mécanismes de needs, en fait, on arrive à spécifier que chaque job doit attendre certains, mais pas tous. Et du coup, ça optimise le temps de la pipeline. Et donc, en termes de gains, on a réussi à réduire de 40-50% le temps pour l'exécution d'une pipeline entière, quand on exécute vraiment tous les jobs. Donc ça, c'est un schéma simplifié. Maintenant, si je vous montre ce que ça donne dans la vraie vie, c'est un énorme plat de spaghetti et on peut se dire mais c'est imaintenable. Et en fait ça s'explique parce que si vous regardez en fait ça, chaque point à la fin c'est une filiale, donc un pays. Mais en fait c'est exactement le même déploiement et pareil ça on l'a templétisé. Chaque filiale là dans ce cas là va faire son propre build, son propre Terraform plan et son propre Terraform apply. Donc du coup ça fait un énorme plat de spaghetti. Mais en fait, c'est exactement le même code de pipeline, modulo quelques variables d'environnement qui sont modifiées entre chaque filiale. Et du coup, les needs, en fait, on n'a pas besoin de les réécrire d'une filiale à l'autre. Enfin, c'est les mêmes pour toutes les filiales. Je te repasse la main. Allez. Oui. Donc, on a fait aussi des expérimentations au niveau de la container registry. Initialement, vous avez vu, on était parti sur un AKS par application, parce qu'effectivement, comme le master plan, on n'est pas facturé, on s'est dit on va rendre tous ces produits indépendants. Et c'était la même logique pour la container registry. On s'est dit on va prendre une container registry par produit, et comme ça, chaque produit sera indépendant, aura sa container registry. On avait pris la version la plus basique, et ça ne fonctionnait pas bien. C'est-à-dire qu'on avait des blocages, on se retrouvait avec des builds qui plantaient parce que les container registry étaient pleines, parce que quand on paye pas cher, on a un peu de service. Donc au final, on a fini par mutualiser nos containers registries de l'ensemble des projets pour n'en avoir plus qu'une seule. Et au niveau premium, l'avantage, c'est qu'on a un process de purge qui nous est proposé et on peut définir une stratégie de rétention. Malgré tout, c'est pas complet et donc il a fallu ensuite implémenter une tâche périodique qui fait qu'avec une seule container registry paramétrée comme on l'a fait, ça fonctionne bien. Voilà, vous avez les détails dans le lien pour trouver un petit peu les... ce genre d'astuce. Pour l'histoire de la stratégie qui ne suffit pas, en fait, c'est parce que les conteneurs registrés Azure permettent uniquement de supprimer automatiquement les images qui n'ont plus de tag, les manifestes qui n'ont plus de tag. Mais nous, on voulait aussi supprimer les vieilles images qui ont encore un tag. Il aurait fallu
de retirer le tag des anciennes images. Et donc, du coup, on a dû implémenter une tâche périodique. Je ne sais plus combien on garde les images. Je crois que ça doit être en production, ça doit être 6 mois, et hors production, ça doit être 30 jours. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de sécurité, parce que c'est bien beau d'être dans le cloud et d'avoir plein de choses, mais c'est important aussi d'y mettre un peu de sécurité. Première chose qu'on utilise pour la sécurité, ça va être un outil qui s'appelle Encore. Qu'est-ce que c'est que Encore ? C'est un outil open source qui permet de... on lui donne une image Docker, et il va aller analyser cette image Docker et il va checker s'il y a des vulnérabilités qu'il arrive à trouver dessus. Le problème, c'est qu'il ne propose pas de gratuitement. Ce qui est en open source, c'est l'engine qui est derrière, donc toute la partie analyse, mais par contre, la partie front et la partie rendu des informations, c'est payant et c'est très cher, je crois que c'est 20 000 euros l'année. Donc on s'était dit, c'est pas grave, on a accès à l'API et il y a une doc de l'API, donc on a nous-mêmes développé un petit front qui n'a pas beaucoup de capacité, mais qui pour nous suffit, qui nous permet de retranscrire en fait les informations que l'API encore nous fournit. Et en fait, comment encore fonctionne chez nous ? Donc, dans notre cluster qui héberge nos outils, on a encore qui tourne. Et à chaque fois qu'on va en recette builder une nouvelle image, après, on la donne à encore. Et il va l'analyser et après, il le met dans sa base de données à lui pour qu'on puisse après aller checker les vulnérabilités. Concrètement, en fait, c'est ce que nous, on a développé qui nous permet d'avoir un rendu qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui permet de voir ce qu'on a analysé et les vulnérabilités. On a deux vues possibles, deux vues. On a une première vue qui contient donc l'ensemble des images, avec leur date d'analyse et leur image ID. Et enfin, on a une seconde vue qui contient toutes les vulnérabilités trouvées. Donc là, pour l'exemple, en fait, j'ai fait analyser une image d'Elasticsearch officielle 7.14.2 et on voit par exemple ici qu'il y a les failles log4shell qui sont présentes. Voilà. On n'utilise pas cette image chez nous, hein. Juste pour l'exemple. Voilà. Autre outil qu'on a mis en place qui est intéressant pour la sécurité, c'est Falco. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui connaissent. Qu'est-ce que c'est que Falco ? En fait, c'est un outil qui permet en temps réel de monitorer les activités suspectes sur un cluster Kubernetes et après, quand il détecte quelque chose de suspect, de lever des alertes et d'envoyer les infos là où on veut. Il peut être couplé à plein de choses. Nous, on l'a couplé à Datadog parce qu'on va vous montrer. On utilise Datadog pour le monitoring, mais on peut l'envoyer dans un Slack, on peut l'envoyer dans un Teams, dans un Kibana, enfin plein de choses. Il y a plein de d'outputs possibles. On est capable de définir des activités suspectes ou c'est... Alors, Falco vient avec ses propres activités suspectes, mais il est possible après de rajouter des règles custom. Nous, on ne l'a pas encore fait. On a plutôt désactivé certaines règles parce qu'ils nous crachaient beaucoup de choses suspectes alors que ce n'était pas des comportements suspects dans notre cas. Mais oui, c'est possible après de rajouter des règles custom. C'est open source aussi ou pas ? Falco, pour moi, oui, c'est open source puisque on ne le paye pas en tout cas. Et on ne l'a pas craqué. C'est pas ça. Et donc là, c'est un exemple de ce que... Donc ça, c'est une vue qu'on peut avoir dans Datadog. Et je me suis amusé d'abord à me connecter sur mon cluster, à lancer un shell. Donc, hop, info, il y a un shell qui a été lancé sur un pod. C'est pas forcément gravissime, ça peut être volontaire. Par contre, là, error, en fait, on voit que ici j'ai fait un apt install toto. Et là, il l'a détecté, il a fait « Oh, attention, il y a quelqu'un qui s'est connecté sur un pod et qui a essayé d'installer quelque chose. » Donc, c'est le genre de choses qui peut... C'est un exemple simpliste, mais c'est le genre de choses qui peuvent être remontées par Falco et nous, ça nous remonte dans Datadog. On est capable de... Falco est capable de faire juste de la remontée d'info ou il est capable d'après, par exemple, de couper un service ou... Non, Falco, c'est juste de la remontée d'info. C'est après, l'objectif, c'est si on définit qu'il y a des choses qui sont vraiment critiques,
on met un canal derrière, enfin on met une alerte derrière, voilà, pour nous prévenir sur un canal qui nous convient. Et après, c'est à nous derrière d'aller, soit d'avoir un outil derrière qui va le faire automatiquement, soit nous d'aller faire ce qu'on juge nécessaire pour. Ça existe un outil qui le font automatique, qui kill le pod quand il y a un truc. Bien sûr. Dans ce cas-là, il aurait pu kill le pod. Une action qui kill le pod. Ça pourrait. En tout cas, à l'heure actuelle, nous, on ne l'a pas mis en place. On l'a juste mis sous forme de détection pour nous informer. On ne kill pas le pod. Enfin, je vais passer rapidement dessus, mais pour la gestion de l'obsolescence, qui pour moi est un sujet crucial dans la sécurité, on a mis en place Renovate, qui est un outil en fait, qui permet de scanner tous vos repos sur GitLab, enfin GitLab ou Git, enfin, peu importe, et d'aller checker toutes vos dépendances. Et si il détecte qu'il y a une nouvelle version de votre dépendance, il va automatiquement vous créer une merge request avec le changelog associé pour que vous puissiez checker, enfin que vous soyez informé qu'il y a une nouvelle version de vos librairies qui sont sorties. Et puis, c'est très pratique d'avoir le changelog directement dans l'AMR sans besoin d'aller sur le site sur un autre GitHub, dans un autre repo, ou d'aller checker dans je ne sais où le changelog. Là, il arrive. Très souvent, il y a encore, c'est pas sur toutes les sources de librairies, mais la majorité, il arrive à mettre automatiquement les changelogs. Et en plus, derrière, il permet d'avoir un dashboard de suivi qui montre toutes les merge requests, enfin toutes les librairies qui nécessitent d'être upgrade sur le projet. Oui. Est-ce qu'il arrive à repérer les modules custom Terraform? Oui. Il arrive à le faire. Il faut juste qu'il ait les droits d'aller le pull. Donc, il peut dire attention à ton ouais. Oui. Nous, on le fait par exemple pour nos librairies. On parlait de nos packages JS et Java qui sont privés, qui sont hébergés pareil dans GitLab, dans les packages registry. Et bien là, il n'y a pas de problème. Il nous informe quand on met à jour, quand un dev va mettre à jour le package. Et bien, il nous ouvre une AMR en disant il y a une nouvelle. C'est du SaaS, ça. Ah, c'est en fait c'est nous qui les, c'est nos runners qui les. Ah oui, d'accord. En fait, c'est tous les, il y a une schedule GitLab quotidienne qui s'exécute du coup sur nos runners. C'est un job qu'on exécute. On lui a donné les droits et les bonnes permissions pour qu'il puisse aller scanner tous nos repos. Et après, il a les droits pour ouvrir des MR et push des choses sur les problèmes. Le dashboard de suivi, il est en SaaS ou c'est... Non, c'est une issue en fait. C'est il ouvre une issue qui s'appelle dashboard et en fait, dedans, il la met à jour à chaque fois qu'il se lance. C'est une issue qui ne se fermera jamais. Et par curiosité, il en ouvre régulièrement, il en crée régulièrement des MR, ça. Oui. Enfin, ça dépend du projet, mais quand, si vous utilisez JavaScript, tous les jours. Effectivement. Mais on le régule, hein, parce que sinon... Oui, on a fait de la configuration derrière, parce que notamment, ce qui peut être problématique, c'est quand vous mettez en place cet outil sur un projet qui a déjà un petit peu de vécu, vous vous retrouvez avec 150 merge requests qui sont ouvertes d'un coup parce que en fait, vous n'avez pas maintenu forcément vos dépendances à jour. Et les devs, ils n'aiment pas trop quand ils ont zéro merge request ou une ou deux et d'un seul coup, il y en a 150, ils ne retrouvent plus leur merge request, ça les floude et puis voilà. Mais il y a aussi tout le côté où il faut faire de la pédagogie pour que les devs et que ça soit pris en compte notamment dans les sprints et voilà, pour qu'on dise non mais il faut faire les upgrades parce que le jour où il y a un log4shell qui tombe et où on a 15 versions majeures de retard, et ben on a beaucoup de mal à patcher. Et donc la solution, nous, d'un point de vue organisationnel qui a été trouvée, c'est que chaque sprint, on a décidé qu'il y avait 20% du temps qui était dédié à ça, de la dette technique et de la gestion de l'obsolescence, plus éventuellement, s'il y a besoin, deux sprints dans l'année où on dit au métier, ce sprint-là, c'est pour de la dette technique et de l'obsolescence. Voilà. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire passer auprès du métier. Et ça a été long, ça a pris un an, on a fini par y arriver et du coup maintenant c'est pris en compte. Une petite question sur Renovate. Oui.
Est-ce qu'il n'est pas capable de proposer uniquement quand il y a une faille de sécurité, comme si, dépend d'un bot? Alors, en théorie, oui, il le propose. Je sais qu'il arrive à taguer les choses qu'il appelle sécurité. Maintenant, moi, j'en ai encore jamais vu. J'en ai encore jamais eu des trucs où il disait c'est une faille critique de sécurité parce qu'on n'a jamais eu log 4 shell. Jugement la prochaine. Hein. Voilà. Mais pour l'instant, je sais que c'est dans la conf, je sais que ça existe. Je sais que puisqu'il y a possibilité. Enfin, c'est dans la doc, il dit que quand il y a une faille avec un label security, automatiquement, il va créer la merge request, même si on a dit qu'il fallait plus en créer plus de 10, voilà, et que c'est la 11e, il n'y a pas de souci, il va quand même le créer. Mais aujourd'hui, je n'en ai pas encore vu. Donc, peut-être que c'est vraiment les failles à un score de 10 sur 10. Mais normalement, oui, il est censé être capable de le faire. Il nous reste encore deux parties, rassurez-vous. Monitoring et finance. Alors, on va continuer par le monitoring. Pierrick a un petit peu révélé la supercherie, mais donc oui, nous utilisons Datadog pour pouvoir superviser nos belles applications. Donc comment ça se passe? Déjà, on va collecter des logs. C'est la façon de faire. Donc les logs, on les prend d'où? De nos clusters applicatifs, on les prend de divers composants Azure, des bases de données, pour savoir si elles vont bien. Le cluster, mais d'un point de vue système, disons plutôt. Les logs réseau, les certificats SSL, et on va aussi vérifier que les applications continuent de fonctionner et qu'elles ne sont pas tombées. Le genre de choses qu'on arrive à faire avec Datadog, c'est construire ce type de dashboard. Donc là, par exemple, c'est une pure mise en forme des logs applicatives pour nous tracer les erreurs, leur fréquence, avoir un historique filtré des logs qui vont nous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Rassurez-vous, rien n'est grave. Et là, par exemple, suivre la création des comptes utilisateurs pour voir un petit peu si les produits ont une adoption plus ou moins. On voit aussi un peu la base de données. OK, elle a l'air de bien aller. Pour l'application Gateway, il n'y avait pas de composant natif qui était fourni. Donc, il a fallu créer notre propre intégration. Et pour ça, le moyen, ça a été de dire à l'application Gateway, envoie tes logs à l'Event Hub, et ensuite, par une fonction de conversion qui va appeler Datadog, c'est comme ça qu'on va récupérer les logs de l'application Gateway. Ce qui nous permet d'avoir ce monitoring global, où là, on va pouvoir suivre le trafic réseau sur l'ensemble de nos sites de manière agrégée. Voilà. On n'a pas mis les noms exacts, on a flouté. Et ce qu'on peut avoir de manière agrégée sur l'ensemble de nos sites, on peut évidemment l'avoir produit par produit. Le monitoring des certificats, donc les certificats, quand on les a achetés, ils arrivent à expiration au bout d'un moment. Donc, ça serait quand même bien de pouvoir savoir sur quel certificat il faut s'activer parce que on va avoir un problème sur le site en question. Donc là, à nouveau, c'est une Azure Function qui va lister les listeners de l'application Gateway et c'est ce qui va nous permettre ensuite dans Datadog de vérifier leur expiration. Parce qu'en gros, toutes les 6 heures, cette Azure Function, elle se lance. Elle check donc tous les listeners, elle va récupérer l'expiration. Oui, on calcule à ce moment-là. Et elle envoie en fait à Datadog sous forme de custom metric l'information. Pourquoi via des custom metrics? Parce qu'il y a aussi dans Datadog des synthétiques, des tests synthétiques. Donc ce qu'ils appellent des tests synthétiques, c'est des appels soit HTTP, soit SSL pour checker la validité des certificats. Sauf que ça coûte extrêmement cher. Voilà. Et que ça, alors que les custom metrics, ça coûte moins cher. Voilà. Et donc, ça nous permet d'avoir ce dashboard-là. Et donc, on voit qu'il ne reste plus que 21 jours sur les deux certificats de niveau. Donc, c'est les deux, probablement le même, hein, qu'il va falloir traiter le plus vite possible. Enfin, ça nous encore 21 jours. Super. Hein, on est large. Il faudra refaire la capture à ce soir. Voilà, quand on a des choses qui sont un petit peu susceptibles, enfin voilà, on n'est pas toujours les yeux rivés sur Datadog à aller regarder les dashboards. Donc pour les choses qui nous paraissaient les plus essentielles,
Ce qu'on a préféré, parce qu'on est par contre tous en train de travailler sur Teams toute la journée, c'est faire remonter ces indicateurs-là directement sur Teams. Donc on a créé un certain nombre de canaux qui nous alertent des choses qui nous paraissent spéciales. Donc, par exemple, ici, alerte au log, il y a beaucoup trop de logs actuellement en train d'être ingérés dans Datadog. Donc on a cette petite représentation qui arrive comme ça dans Datadog, et ceux qui sont abonnés au canal peuvent aller voir et se dire « ça va ». Ou au contraire, « il se passe quelque chose de pas très normal ». Voilà, on a construit donc des alertes liées à l'expiration des certificats. De la même manière qu'on a le dashboard, on a aussi de l'alerte qui commence à se rapprocher un petit peu trop. On a donc cette ingestion de log trop importante, ou trop basse d'ailleurs, parce que c'est par rapport à une consommation moyenne que l'analyse est faite, et sur l'inaccessibilité des sites. Voilà, on a évidemment plein d'idées. On peut par exemple s'intéresser, on verra ensuite ce qu'on fait là-dedans et dans quel ordre on traite. Et on pourra s'intéresser à la disponibilité, l'indisponibilité de certains composants d'Azure, voir aussi lorsqu'il y a une version majeure de Kubernetes, on est encouragé par Azure à migrer de version de cluster, on a des baisses de prix, et puis on a 9 mois, on fait les migrations tous les 9 mois actuellement. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Oui. C'est tous les 3 mois qu'il y a une nouvelle majeure de prix. Ah, tous les 3 mois. Il y a une nouvelle manière, Et enfin, des stack traces régulières sur lesquelles on pourrait se dire, bon, là, il y a une action à faire. La maîtrise des coûts. Donc là, vous avez ici une infographie qui vous montre l'évolution de nos coûts Azure sur l'année écoulée. Donc on avait commencé à plus de 8000 euros sur l'ensemble, les 3 souscriptions, rappelez-vous. Et on termine à 5800 à peu près. Donc il y a eu diverses actions qui ont été faites. Ici, par exemple, vous voyez le moment où on a commencé à éteindre les environnements de recettes produit par produit, et donc on voit que ça, le fait d'éteindre soir et week-end, ça a quand même un effet significatif. Ici, on a activé le principe de réservation, c'est-à-dire le fait de réserver, de pré-réserver de la charge de travail auprès d'Azure. Donc là aussi, pareil, une économie significative. Et ce que vous voyez en rouge, c'est la progression telle qu'elle aurait été si on n'avait pas mené ces actions-là. Ce n'est pas les seules actions qu'on a faites, on a aussi, c'est aussi à la fois des choses qu'on a faites et des conseils qu'on peut vous donner. C'est donc l'arrêt des environnements, les réservations de ressources, ne pas surdimensionner les machines, parce qu'évidemment, comme on est en pay as you go, si on commence à prendre une machine un petit peu, ou un service trop dimensionné, on va le payer. Tant que c'est possible, mutualiser les composants, voilà. Donc, faire un petit peu ces règles de 3, si j'en ai 4, hein, mais que je peux les remplacer par une, mais d'un niveau un petit peu plus qualitatif, qu'est-ce que ça donne en termes de... Voilà. Donc on fait ce genre de calcul tout le temps. Il y a eu une optimisation des coûts aussi sur la partie GitLab CI. Donc la façon dont on a construit notre souscription de build, elle s'articule autour de 3 node pools dans le cluster Kubernetes. Donc là, vous retrouvez les outils dont on a parlé. On n'a pas parlé de SolarCube parce que c'est un classique. Pierre en a parlé. Là, les runners, vous les retrouvez ici. Et donc, la façon dont c'est structuré, voilà, c'est 3 node pools. On en a 2 qui sont tout petits, qui font un node chacun. Un qui fait finalement que de l'ordonnancement de job sur les runners, et qui sert juste à dire vas-y, exécute tout ça. Donc il n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Et les autres, on les a fait avec des spot instances. Alors les spot instances, c'est un concept Azure. Qui existe aussi sur AWS, Ils ont même d'autres. Ça s'appelle pareil. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée, c'est qu'en fait, on peut être préempté de la machine à tout moment, mais en contrepartie de cette non-garantie de service, ça coûte beaucoup moins cher. Environ 60 euros par nœud et par mois qu'on utiliserait complètement pour une machine à 16 vCPU, 32 Go de RAM. Contre la même machine, 405, ouais. 450 euros, je crois, si on n'est pas en spot instance. Donc,
On se trouvait que ça se justifiait sur les outils, puisque ben, si on n'a pas notre SonarQube ou si on n'a pas notre encore, au pire, ça nous bloque la pipeline, mais bon, c'est pas gravissime. Et pour les runners, on voulait une grosse capacité de travail. Donc pareil, les spot instances avec des machines surgonflées, ça nous paraissait un bon choix sans faire exploser la facture. Et l'autre chose pour les runners, l'avantage, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis un autoscaler à minimum zéro, ce qui fait que bah, la nuit ou quand on n'a pas de job qui s'exécute, hop, on passe à 0,2 et donc du coup, ça ne coûte plus rien. La seule contrepartie, c'est que du coup, quand il y a un job qui arrive et qu'il n'y a pas de runner, il met 2 minutes avant de s'exécuter, mais bon, généralement, c'est le matin à 7-8 heures, 9 heures quand les devs arrivent, à 14 heures quand on revient de la pause déj, et puis c'est tout. Sinon, la matinée, l'après-midi, ça s'exécute. Il y a toujours un runner qui est schedulé. Donc voilà, je l'ai dit, mais effectivement, on coupe, tu l'as peut-être dit aussi tout à l'heure, on coupe nos environnements de recettes, enfin, nos environnements hors prod, de 7h à 21h, enfin, après 21h et avant 7h. Voilà, ça aussi, ça représente des gains importants. Et voilà, on a une tâche qui redémarre tout ça. Puisque, en fait, sous Azure, je ne crois pas que ce soit le cas sous AWS, les clusters Kubernetes, on peut les éteindre. On peut vraiment dire, on le stoppe et du coup, il éteint, on ne paye plus que les ressources, enfin, on ne paye plus les machines. On va payer le load balancer éventuellement qui est toujours réservé, l'IP qui est toujours réservé, enfin, voilà, mais pas les machines. Et du coup, bah, c'est ce qui coûte le plus cher. Et cette extinction, elle est faite via une GitLab schedule qui s'exécute le matin et le soir. Voilà. Pour Datadog, hein, pour parler de l'envers du décor et comment on est facturé de nos services chez Datadog, il y a deux types de commandes. Il y a une commande annuelle qui est sur de la réservation de ressources. Donc les ressources, j'ai mis ma feuille de pompe parce que je ne m'en souviens jamais. C'est des hosts, c'est des containers, des index log, events et des synthétiques. Tu en as parlé tout à l'heure. Et donc c'est vrai que la première fois quand on arrive face à un commercial de Datadog et qu'il va nous expliquer qu'il va falloir faire tant de réservations de synthétiques, ben, on est tenté de lui faire confiance et de suivre un peu le conseil. Et de notre côté, ben, ça a plutôt conduit à une réservation trop importante de certains types de ressources. Pas forcément toujours tout. Il y a des trucs sur lesquels on a besoin et ben, de compenser parce qu'on a sous-réservé. Et donc, on est aussi en pay-as-you-go et on a une facture mensuelle pour les trucs qu'on n'a pas suffisamment réservés. Et il y en a d'autres pour lesquels ben, on ne consomme pas autant que ce qu'on avait imaginé. Donc les conseils qu'on peut vous donner par rapport à ça, d'abord la difficulté, c'est ben voilà, c'est pas évident de savoir, en fonction du type de ressources dont je parlais, qu'est-ce qui va donner une facture au plus juste. Et puis il y a des phénomènes anormaux et on va en voir un petit peu plus loin. Il y a des moments où ça se passe pas comme on avait imaginé. Donc c'est par exemple ce qui nous est arrivé en juin et en juillet, où vous voyez, on a c'est les factures en plus de la réservation. J'ai pas montré la facture de réservation, ce qui est intéressant c'est plutôt quand ça marche pas bien. Voilà, donc en juin et en juillet, on s'est mis à injecter énormément de logs. C'est de là que l'alerte attention aux logs est arrivée. C'est la première alerte qui est arrivée parce qu'on s'est dit ça, on ne se reprend pas des factures à 1000 euros juste parce qu'on a laissé filer et que Datadog est trop content d'injecter des logs. C'était deux applications différentes hein, pour la petite histoire. C'était même pas, on s'est fait reprendre de la même manière. Et c'est au début, lorsque vous mettez en place la plateforme, c'est aller dans la partie paiement et aller dans la partie usage et regarder comment ça fonctionne déjà pour vous donner une idée en fonction des différents éléments, parce que vous allez retrouver les synthetics, vous allez retrouver les index logs, vous allez retrouver en fait les choses sur lesquelles vous allez être facturé. Ça peut être bien de commencer à se faire une petite idée de ce qu'on consomme. Donc voilà, si c'était à refaire, j'irai là-dedans, je regarderai et puis je comparerai les choses. Et on réserverait moins. Et on réserverait quitte à ne pas réserver au début et à être en full pay as you go. Parce qu'on a vraiment beaucoup trop réservé certaines ressources. Et... Voilà, notre prochaine facture est en juin, elle ne sera pas pareille. Voilà, donc, et dans les autres actions qu'on peut conseiller pour la maîtrise des coûts, eh bien, bien sélectionner les logs que vous voulez conserver, parce que tout n'est pas intéressant ensuite pour de l'analyse, pour du graphe, pour des diagrammes, etc. Donc il y a des choses, tout simplement, virez-les. Nous, dans notre contexte, par exemple, les access logs, de l'ingress controller, en fait, ça ne nous intéresse pas et ça fait beaucoup, beaucoup de volume. Voilà, prendre le temps de se familiariser avec l'onglet, je vous le disais, et probablement au début, en phase de build, y aller mollo, quoi, sous-évaluer, et puis ça permet de voir un petit peu, de se régler au début.
Voilà. En conclusion, parce que ça y est, on a fini. On peut se reposer. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, cette infrastructure, c'est le fruit d'un travail de plus de deux ans et demi, bientôt trois ans, je ne sais pas. Il y a eu 6 DevOps, il y en a 2 dans cette salle qui DevOps. Ont... Ouais, DevOps avec des guillemets. Faute d'un meilleur terme, si vous avez mieux, je prends. Voilà, qui se sont succédés. Une grande partie de ces personnes-là, de ces DevOps, étaient de chez Ipon. Merci à eux. Et voilà, la forme définitive que vous venez de voir, en fait, c'est des itérations, des coups de clé, des trucs qui n'allaient pas, qu'on a changé. Et donc voilà, la forme définitive, finalement, c'est toi qui l'as donnée, donc merci. Merci à Ipon et merci à Pierrick, évidemment. Voilà. Et maintenant, si vous avez des questions que vous n'avez pas déjà posées, eh ben vous pouvez les poser, parce qu'on est ravis de répondre aux questions. On est là pour ça. Alors. Non, c'est vous qui êtes bien. Merci. Voilà. Donc, je peux remettre les questions, mais voilà, comme vous avez applaudi, ben je vous dis merci. Voilà. Vous avez compris. Oui, Tim. Ouais, les spots instances, tout à l'heure, tu disais, là, sur l'exemple que tu as donné, c'est 7 fois moins cher, à peu près, j'ai l'impression. En gros, c'est entre. C'est 6 fois 42. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là, je crois, puisque c'est en fonction du type de machine, c'est entre 80 et 90% d'économie. Ouais, du coup, c'est plus que sur AWS et vous n'en utilisez pas sur vos clusters applicatifs, du coup ? Enfin, sur vos clusters cube applicatifs ? Non. Vous n'avez pas de haute dispo, du coup, sur vos pods ? On a plusieurs réplicas, mais pas sur des spot instances, sur des nœuds classiques. Ça pourrait être une idée pour la suite, pour payer moins cher et mettre beaucoup de réplicas, mais sur des spot instances. Et comme ça, le jour où on a un nœud qui part, j'y ai pensé. Mais on n'a pas encore eu le temps de... Ouais, et puis là, il nous faudrait un indice supplémentaire, c'est est-ce qu'on peut se retrouver avec 0 spot instance et pendant combien de temps ? Voilà, et ça, on ne le sait pas. Donc, on pourrait faire un espèce d'hybride, spot instance, pas spot instance, pour faire le load balancing. Ça pourrait, oui. Cool, merci. Voilà. Oui, Bert ? Vous n'avez pas de Nexus ou d'Artifactory, en fait, vous venez chercher vos dépenses directement. Ouais. Ça vous pose pas de problème de disponibilité des fois ? Alors on l'a eu une fois et c'était parce que justement on avait une dépendance qui n'était pas sur Maven Central, qui était sur c'était Bintray ou encore un repo un peu plus farfelu, un truc qui était passé à l'AS. Ça nous a gratté. Et en même temps, pour en avoir administré des Nexus, c'est aussi du boulot, vraiment du boulot. Donc moi c'est un peu ma stratégie sur tout ce qu'on vous a montré. C'est tant qu'on n'en a pas besoin, qu'on peut s'en passer, on ne met pas. Et le jour où on commence à avoir un vrai problème critique, là, on traite. Et globalement, non, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu le NPMJS qui tombe pendant une journée. Et à la limite, même si c'était arrivé, c'est pas critique. Et je dirais que ça ne justifierait pas, dans notre contexte, d'aller investir. Et vos artefacts à vous, vous n'avez pas à les pousser, vous avez pas Non. On n'est pas encore parti sur de l'open source. Ça nous gratte un peu, mais pour l'instant, on les garde à nous. On n'est pas encore assez... Ah, pardon. Ouais. C'est dans un repo à part. En fait, on a un repo qui s'appelle Shared Libraries, un groupe qui s'appelle Shared Libraries dans GitLab, qui contient tous les repos de nos librairies partagées. D'accord. Et donc, qui sont extraits en fait du code des projets et qui après sont récupérés par tous les projets qui l'utilisent. D'accord. Et du coup, tu utilises GitLab. Oui. Package registry. C'est ça. Et ça fonctionne bien. C'est juste pas hyper bien documenté. La façon dont c'est stocké et tout, il a fallu un peu tâtonner, mais maintenant on est rodé. Et c'est vrai qu'on n'a pas non plus des tonnes de choses. On a essentiellement des librairies autour des API clients, enfin entre le front et le back, où là on a des envies d'essayer de formaliser les contrats avec du JSON schema. Et on essaie de faire un peu des choses pour avoir des contrats un peu plus solides que juste je suis le front, toi t'es le back, on se met d'accord. Ok, on va discuter comme ça, quoi. Alors, c'est terraformable. En fait, il y a un... Ouais, dans notre cas, en fait, l'AD, il est arrivé comme une émanation de Active Directory on-prem sur l'infrastructure Boiron historique qui a... Enfin, moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, il existait déjà. Et c'est vrai que, comme l'a dit Pierrick, en fait, c'est un truc qui est géré par une équipe en propre.
Donc, on aurait pu essayer d'en terraformer des bouts, mais en fait, il y a énormément de choses qui se cachent là-bas derrière. C'est un vrai projet et je pense que le jeu n'en valait pas la chandelle. Le jeu n'en valait pas la chandelle. Mais vous, a priori, vous avez quand même besoin d'avoir accès à des ressources qui étaient là-bas. Ouais. Oui. Oui, et même on en crée de temps en temps. Donc, en fait, on a un statut d'administrateur là-dedans. Et ça, je dirais, dans toute l'expérimentation qu'on vous montre, il y a eu une bénédiction sur le fait que c'était un terrain nouveau pour Boiron qu'il nous fallait conquérir et qu'on n'allait pas faire de conneries en tant que dev ou archi DevOps en le faisant. Donc, on nous a donné suffisamment de privilèges pour pouvoir faire des expérimentations. Et donc, globalement, par exemple, quand il faut créer une app registration dans AD, on peut le faire. On a le droit. Mais il a fallu batailler pour l'avoir. Oui, ouais, quand même. Ça ne s'est pas fait comme ça. Mais ça va. Et les gens sont plutôt contents. Ils ne nous ont pas tapé dessus. Oh, ils ne l'ont pas vu, c'est pour ça. Il y avait deux autres questions, je crois. Oui. Moi, j'avais une question sur votre ProxyOS. Ouais. C'est un opérateur que vous implémentez et vous mettez sur un ingress controller, sur un index. Alors, en fait, non, c'est un autre pod qui s'exécute en parallèle de notre application. Voilà, le code est, je crois que c'est de l'open source. Oui, oui, oui. C'est de l'open source. Voilà, et en fait, c'est au niveau de l'ingress, donc du coup, qui va être catché par l'ingress controller. Nous, dans notre cas, c'est un Nginx. Et en fait, il y a des annotations spéciales qui peuvent être utilisées pour lui dire d'aller s'authentifier auprès de. Et donc, on lui met le nom du service, le service qui est associé au pod, au proxy. Et du coup, en fait, il va faire sa popote pour s'authentifier. Oui, c'est en fait derrière c'est les identités de l'AD. En fait, dans l'AD, il y a un groupe qui contient tous les utilisateurs qui sont autorisés chez Boiron à utiliser nos applications. Enfin, nos applications en pré-production et en recette. Voilà. Donc il faut un compte Boiron et être dans le bon groupe. Oui. C'est-à-dire que techniquement, ton proxy, tu peux accéder à ton Active Directory, l'extérieur. Ton Active Directory, il est public. En fait, c'est un Azure Active Directory. Non. Oui, c'est Azure AD. Et donc, du coup, en fait, les Azure Active Directory, ils sont accessibles publiquement, publiquement. Sous couvert, on lui donne un client ID, un client secret voilà, pour communiquer avec, mais il y a un endpoint qui est public. Et pour compléter, en fait, il n'est pas lié aux souscriptions, il est lié aux tenants. Ça veut dire qu'on a trois souscriptions avec trois doigts. Mais par contre, il y a un seul tenant sur ces trois souscriptions et ce tenant a un sous-domaine de l'Azure AD pour Boiron. Donc effectivement, on peut s'authentifier, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Quand on se log sur Teams, on se log sur le même AD. Oui. Oui. Une partie quoi ? WAF. WAF. Alors en fait, la partie WAF, on utilise les règles de OWASP CRS. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est un jeu de règles qui sont proposées par OWASP. Pour l'instant, c'est uniquement en recette. C'est juste pour les attaques signatures. Comment ? C'est juste pour les attaques signatures. Ouais, oui, c'est ça. Vous n'avez pas, par exemple, checker tout ce qui est cookie pour votre authentification SSO ou tout ça ? Non, non, non. Oui ? Dernière question. Vous avez jamais été tenté, du coup, par une approche GitOps Si, bien sûr. Moi, je ne connaissais pas les approches plutôt où c'est le cluster qui va pull directement depuis le repo. En fait, c'est par manque de temps, mais ça fait partie de la to-do list des expérimentations à faire pour voir si ça présenterait. Effectivement, donc c'est avec les deux produits que tu as cités, hein, Argo CD ou Flux, l'un ou l'autre. Mais voir effectivement si ça a de meilleures caractéristiques. A priori, d'un point de vue sécu, c'est mieux. Mais bon, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Oui. Ouais. Après, on n'a pas parlé de la fréquence de déploiement. Aujourd'hui, on est sur des sprints de 2 semaines qui aboutissent à une mise en prod toutes les 2 semaines. On n'est pas encore avec une pression cruciale. On n'est pas Amazon. On n'est pas. Voilà, donc on n'a pas plusieurs MEP, sauf quand il y a un problème avec la MEP. On n'a pas plusieurs MEP par jour pour un produit. Mais aussi, on est des équipes de développement relativement de petite taille. Donc on n'a pas non plus un volume de choses à livrer qui fait qu'il nous faudrait. Envoyer plus que ce qu'on fait. Voilà, on est relativement content de ce qu'on a. On pourrait aller sur du continuous delivery, mais ça voudrait dire mettre une pression sur les tests
automatisées plus importantes que ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, il y a aussi les contraintes réglementaires, c'est vrai. J'oublie les contraintes réglementaires, c'est pénible. Pour la partie authentification sur les recettes, là, du coup, c'est un cookie, il est maintenu où, du côté de l'ingress controller ou En fait, le cookie, il est toujours le hôte proxy, en fait. Ah, okay. En fait, automatiquement, quand on arrive, quand on arrive la première fois, il nous redirige pour s'authentifier. Il nous donne un cookie, lui il le stocke dans son cache et en fait dès qu'on essaie de réaccéder à l'appli, hop, on est redirigé de manière transparente pour toutes les requêtes avec le cookie. Il voit le cookie, il dit non, mais c'est bon, c'est authentifié. Okay. Pour vos clusters, vous en avez combien au final? Parce que la question de la mutualisation, elle a été étudiée vraiment avec des ressources qui sont dupliquées dans chaque cluster, j'imagine. On en a 9, hein. Ouais, on doit en avoir 9. Ouais. Et parce que c'est un cluster par projet, par environnement. En fait, initialement, comme on débutait dans cet univers-là, l'idée, c'était d'avoir des produits et des équipes projets le plus indépendantes possible. Donc, effectivement, au niveau coût, on n'avait pas vu de justification d'essayer de faire cette mutualisation. Donc, après, de temps en temps, ça nous tente, mais on n'a pas vraiment de raison, si tu veux, d'aller dans cette direction-là. Même la migration des clusters aujourd'hui, j'ai entendu dire que dans AWS, ça pouvait être compliqué, ça a peut-être changé, hein, mais dans Azure, c'est relativement simple. Hein, tu as procéduré ça, on le fait faire à notre équipe d'Ops. Les upgrades de version. Les upgrades de version, et ça se passe très très bien. Tu fais pas via Terra pour ça. Alors, en deux temps. C'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué ça, mais ouais. En deux temps. En fait, le state Terraform, enfin, on va le faire à la main. Non, même pas. Non, même pas. Même pas parce qu'en fait, le provider Azure ne le permet pas aujourd'hui. Ah. Donc, il ne permet pas de mettre. Il permet pas de mettre à jour. Reste, ouais. Ok, donc du coup, tu fais l'action annuelle et après, tu m'ajoutes. En fait, on a le champ version n'est pas obligatoire. Donc, du coup, on n'a pas mis le champ version. Ah, ok, donc tu n'as pas mis à jour côté Terraform. Non, côté Terraform, non. En fait, lui, il va détecter, il va mettre à jour son state en disant, ah tiens, la version a changé. Mais comme on ne fixe pas la version, c'est en ça. Fait, il s'en fout. Voilà, exactement. Puisqu'en fait, par défaut, c'est à la création du cluster, si on ne met pas version, il prend la dernière version recommandée par Azure. Voilà. Vous avez parlé de monitoring et d'alerting sur les applications indisponibles. La plupart des applications, ça a l'air d'être dans le cube. Du coup, c'était pour une sécurité en plus des props que tu proposes ou Non, c'est vraiment arrivé en fait. On a vraiment eu des indispos. Ouais. Typiquement, nos Drupal, ils ont tendance à être vraiment indisponibles. Ils font de la merde en fait. Officiellement, officiellement pour Cube, ils répondent. Officiellement, ils répondent. Et en fait, l'application Front n'arrive quand même plus à faire tout ce qu'elle doit faire avec. Et donc du coup, bah, le front tombe et pas le CMS et pourtant c'est le CMS qui est fautif. C'est 99% de notre downtime c'est Drupal. Voilà. N'y allez pas. Ne prenez fuyez pas. Fuyez pauvres fous. Oui. Bon, dernière petite sur la partie CMS CMS, bon, on a pas mal travaillé sur un outil qui s'appelle Directus. Je sais pas si vous connaissez. Moi non. J'avais utilisé un petit peu, il y a la structuration du contenu. Est-ce que cette partie-là est industrialisée, est automatisée, pour mettre à jour les typologies de contenu? Je ne suis pas forcément la meilleure personne pour te répondre. Voilà, non, parce que. C'est-à-dire, c'est l'utilisation de la slice machine qui se cache derrière, mais je sais. Ouais, mais je ne sais plus comment c'est fait, et puis je sais que ça a changé juste dernièrement. Ouais. Okay. Là, il faudrait un développeur de l'application qui utilise le plus Prismic. Ouais. Non, mais bon. Après, ça reste un produit jeune, Prismic, qui a son lot de défauts, qui est plutôt bien, mais voilà, comme tout, il n'y a rien qui est parfait. Voilà. Okay. Allez. Alors. On n'est pas tout à fait d'accord sur l'utilisation du mot monorepo, parce qu'en fait,
c'est pas le monorepo Google hein, qu'on a. C'était, en réalité, on a un produit, un repo. Par contre, à l'intérieur de ce repo-là, on va avoir la partie node, la partie back, la partie CMS, la partie infra, tout ça. Donc, voilà. Donc on a appelé ça le monorepo produit pour avoir une terminologie avec laquelle on était d'accord. Mais pour moi, on n'est pas sur le monorepo strict. Et pourquoi ce repo-là ? Initialement, l'envie, c'était d'avoir l'ensemble du produit sur le poste de développement. Et donc, quelque part, quand tu faisais ton git clone, tu avais l'intégralité. Et d'ailleurs, tu as un makefile sur la machine, dans le repo, qui te permet de construire et de démarrer l'ensemble des services. Et ça marche. Par contre, il faut une bête de course. Un XPS 15, c'est pas du luxe. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. Ça paraissait pas déconnant. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Disons que l'intérêt, c'est que ça te permet d'avoir un front, un back, un CMS qui forme un tout cohérent sans avoir à t'emmerder avec des matrices de version. Voilà, c'est ça. Ça fonctionne tout pareil et quelque part sort du repo quelque chose qui a un cycle de vie qui est différent. Donc la shared library ou le socle. En fait, tout ce qui est shared devient son propre repo. Alors, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Après, c'est vrai qu'on aurait une multiplicité de shared library encore plus importante que ce qu'on a. Là, se poserait la question peut-être de faire un vrai, vrai monorepo pour dire, voilà, il n'y a plus non plus de matrice de dépendance sur les librairies, mais c'est un autre chantier, pour l'instant, pareil, ça ne justifie pas. Il y a quand même un environnement local de développement. Ouais. Ah, oui. Vous parlez d'environnement éphémère, parce qu'au final, les devs, ils ne sont pas... Non, ils sont... Non, en fait, ils devent en local, après, ils poussent sur leur environnement de nous, on appelle ça preview, et là, ils font leurs tests, et si ça marche en local et sur l'environnement de preview, après, ils mergent. Si, si, s'ils refont un push, en fait, ça va mettre à jour le... Oui. Ça repart pour 2 heures. Ça repart. Le truc de 2 heures, c'est juste s'il va faire une question. C'est ça. Bah, oui. S'il part le soir sans... Ouais, voilà, c'est ça. Vous faites ça avec les pipelines dans GitHub Shell. Ouais. Ouais. Donc, en plus, tu peux aller pile l'environnement si jamais... Ouais, c'est ce qu'on fait quand j'ai dit que tous les soirs à 9h on kill. En fait, on parcourt tous les environnements et on les kill tous. Et puis, voilà, via l'API GitLab. Et dans la vue du pipeline, tu as le bouton qui te permet de le relancer si, s'il n'est plus là. Un environnement, du coup, c'est juste un namespace, ou c'est un... Ouais. Non, un environnement, c'est un namespace dans Cube. Il y a un mode de monter des environnements. Des fois, du code, c'est toujours sans direction. Ouais. Mais après, est-ce que tu as un prismic dédié ? Est-ce que Alors, tu pointes sur le... Là, on a fait des choix. On a fait des choix et donc En fait, initialement, on allait jusque ce que tu décris. C'est-à-dire qu'on provisionnait des bases de données, des schémas et tout. On allait vraiment à fond. C'est l'enfer, ça fait exploser les coûts. Et finalement, c'est les cas d'usage où tu as vraiment besoin de data en propre. Ils sont pas si importants que ce que tu pensais initialement. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait le rajouter dans les actions FinOps. On a eu ensuite, ou de réduction des temps de build, on a fait un certain nombre de coupes là-dedans en disant celui-là, c'est un service qui n'a pas une énorme valeur ajoutée. Typiquement, le CMS Headless, le Drupal, on avait tendance à dire tu utiliseras celui de recette même dans ton environnement parce qu'il est réputé stable et il y a trop peu de modifications de type à l'intérieur pour justifier qu'on ait son propre. Voilà. Donc on a fait quand même un peu de mix and match là-dedans. Voilà. Mais au début, on était dogmatique. Et après, on a appris.